quand on m'a proposé cette Parthénopée de Handel, j'ai dit oui assez vite parce que c'est aussi un rôle un petit peu plus alto que ce que j'ai l'habitude de faire jusqu'à maintenant. C'est un personnage, Arsace, qui est un petit peu faible, on pourrait dire. Il y a un peu toutes les faiblesses de l'homme accumulées dans ce personnage. Et je trouvais qu'avec mon timbre, je pouvais effectivement, on pouvait jouer un peu plus sur ce côté un peu, finalement, assez féminin du personnage par rapport finalement aux deux femmes, Parthénopée et Rosmira, qui sont beaucoup plus masculines que Arsace. Cet enregistrement de Parthénopée aussi, il marque la deuxième collaboration consécutive avec une chanteuse que j'apprécie beaucoup, qui est Karina Gauvin, qui, je pense, fait partie des rares chanteuses à pouvoir réellement incarner ce type de personnage comme Alcina ou Parthénopée avec vraiment toutes les palettes différentes. I think we've had so much fun communicating with one another in this recording. It's been 2 weeks of hard work, of course. It's very intense, but the work with each character is wonderful, and Philippe Jarouski is just an adorable person, and we get along famously together. Thinking of this role, I went back to whom it was written for, and Handel wrote this role for Anna Maria Strada del Po. And it was interesting to know that Anna Maria Strada also created the role of Alcina, the role of a sorceress and a very powerful woman, and also of great vocal strength. Often we see Parthénopée as a woman who is more frivolous and light. So I thought maybe of adding in the other dimension. She's a politician and she has everybody basically at her feet. And she has a lot of confidence in herself. And she never doubts of her power of attraction, basically. This is also maybe the link with Alcina. I already worked several times with Karina. It's the first time that I'm working with Philippe Jarouski, and we found each other since the beginning, I think, quite easily. Everything came out in a very quick way, and we are, I think, feeling almost the same about this amazing music. Bien entendu, j'avais écouté tous les enregistrements qu'il a fait depuis ces dernières années. J'ai une affection particulière en général aussi pour les notamment dans le genre de répertoire pour les orchestres italiens. J'aime beaucoup le son italien et j'aime beaucoup travailler avec des Italiens, et je trouve que ça apporte, moi, ça continue à m'apporter beaucoup aussi pour la compréhension de la langue, la saveur du texte aussi. C'est très important. On a beaucoup travaillé avec Riccardo sur les récitatifs, sur beaucoup de choses. J'ai une admiration particulière puisque moi je suis violoniste de formation, et je pense que
Voilà, Ricardo est un violoniste fantastique et je crois qu'on a trouvé assez vite une forme d'entente entre lui et moi aussi par ce partage qu'on a d'avoir étudié le même instrument. Ricardo Minasi is a really interesting person. He's somebody he has a rare energy. I've rarely met somebody who has so much vital energy. And what's so exciting about him is that it really comes from a very deep place within him. This desire for music. He communicates this very much with his musicians. It spreads like wildfire, how he communicates his ideas, what he wants technically. He's very precise about his technical demands, but then he's also extremely musical, and that's what's very rare. Partenope is the second opera we are recording with El Pomodoro, and is one of the most interesting operas by Handel, I think. And what is making Partenope a special case in the production of the early 18th century operas, I think, in my point of view, is the fact that there's always this perfect balance by the libretto and by the music by Handel himself, between drama and farsa, we can say. And that's, it's looking at the score really quickly, it's evident since the overture, where we have this clear opening in the French style, followed by something like a sort of like Pulcinella sound, fugue, followed even by a tarantella. The recits are incredibly well written. We have also to say that it's an opera that is not using so many borrowings from other compositions by Handel. And this is showing how much Handel was taking care about the composition of Partenope. It's just an amazing, amazing, amazing piece. Dans cette partition de Partenope, il y a aussi deux airs particulièrement qui sont réussis pour Alsace. C'est un grand air de tempête qui s'appelle Furibondo, et puis ce très bel air lent qui s'appelle Ch'io parta, qui est, on pourrait dire, quand même un chef-d'œuvre de Handel, parce que cette façon de traiter cet air tout en continuant à parler, en fait, dans la continuité d'un récitatif, en fait. C'est vraiment une très grande réussite, cet air. Donc j'étais très heureux de pouvoir avoir l'opportunité d'enregistrer donc ce rôle en entier, avec notamment ces deux grands airs que je trouve très 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 beaux. C'est un opéra qui, en bien des points, est
très original par rapport aux autres opéras de Handel. Il y a énormément d'éléments très comiques, en fait. On pourrait dire que c'est une tragicomédie. On peut toujours prendre les choses dans les deux sens, c'est-à-dire avec le plus grand drame et avec le plus grand humour. Et ça, c'est très rafraîchissant et c'est pas si fréquent chez Handel au final. C'est un livret pour cela qui est très très intéressant parce que finalement il prend une distance déjà avec l'opéra seria, ce livret. Évidemment, l'enregistrement, c'est une première étape. Il y aura la tournée l'année prochaine de concerts. Malheureusement, il n'y aura pas de version scénique. Et c'est très étonnant parce qu'on se faisait la réflexion avec les autres chanteurs. Effectivement, plus on chante cette partition, plus on a envie de la jouer sur scène, en fait. Parce qu'on se rend compte que le livret est extrêmement raffiné et plein de subtilités. Et sûrement un des livrets probablement les plus divertissants pour aussi le public qui vient écouter et suivre l'histoire. Donc ça sera peut-être un peu la frustration qu'on aura l'année prochaine quand on fera les versions concerts, mais on essaiera de pallier à ça en mettant un petit peu de théâtre également dans les versions concerts.